À Lyon, en Rhône-Alpes, nous réunirons à la fois les représentants des collectivités territoriales, spécifiquement les régions de l'ensemble du monde, mais aussi les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les associations, les ONG, les entreprises, les syndicats. C'est un véritable sommet qui n'est pas celui des États, mais qui est celui de tous ceux qui sont engagés pour agir contre le réchauffement climatique, pour protéger la planète, pour protéger la biodiversité, pour mettre en œuvre des actions concrètes. Nous réalisons l'agenda positif, c'est-à-dire l'agenda des solutions. Et la région Rhône-Alpes est une région qui voit aujourd'hui les effets du réchauffement climatique. Les glaciers des Alpes, leur recul, les photos le montrent, chaque année ce recul est là. Nous le voyons aussi à travers les dérèglements, les phénomènes d'inondations qui peuvent se produire. Ces dérèglements-là sont graves, nos concitoyens en sont conscients, de même que la montée de la pollution. Les régions, bien, ce sont elles qui ont les pieds sur la terre. Il faut des décisions étatiques, mais en même temps, il faut qu'il y ait les acteurs du quotidien, les acteurs du commun. Et c'est cela qui constituera le caractère exceptionnel à 6 mois de l'ouverture de la COP21 à Paris, qui sera donc un événement que nous voulons être aussi un événement de soutien, d'appoint, de proposition pour la COP21.